Nuestro principal objetivo en el programa europeo de ecoinnovación fue desarrollar. Notre objectif dans le cadre du programme européen éco-innovation est d'utiliser un procédé de tannage au titane. Il pourrait remplacer progressivement le chrome qui est employé actuellement dans le monde entier. Cette tannerie située à Silla en Espagne produit aujourd'hui un cuir plus écologique et moins nocif pour la santé grâce à une technologie développée par un projet de recherche européen. Las ventajas con nuestro proceso de titanio. Le procédé à base de titane présente de nombreux avantages. D'abord, il est plus durable, car il y a de grandes réserves naturelles de titane. Ensuite, il est meilleur pour la santé, car le titane est hypoallergénique. Un composé cancérigène appelé chrome hexavalent peut se former lors de la production traditionnelle du cuir. L'utilisation du titane à la place du chrome peut éliminer ce risque et rendre la production de cuir moins polluante. Les eaux usées produites au cours de ce procédé de fabrication du cuir présentent de meilleures données comparées au tannage traditionnel. Encore plus important, ce procédé évite d'avoir des résidus de chrome sur le produit fini, ce qui est bon pour l'environnement. Les propriétés mécaniques du tannage au titane sont identiques à celles du tannage traditionnel. Mais ce nouveau procédé a l'avantage d'être meilleur pour la santé, un argument qui plaît aux consommateurs. Spécialement aquelles personnes qui ont sensibilité à pieles curtidas con cromo, qui peuvent produire. Certaines personnes sont allergiques au chrome, elles peuvent donc utiliser des chaussures fabriquées avec un cuir à base de titane, ce qui leur permettra d'éviter ce type de problème. De nombreux fabricants très connus commercialisent déjà des chaussures conçues avec un cuir à base de titane. La demande du marché dépasse les attentes. De hecho, en estos momentos. Aujourd'hui, cette technologie représente 25% de notre production. Les marchés s'y intéressent énormément. C'est le cas des fabricants de montres, du secteur automobile, et l'industrie aéronautique est très intéressée aussi.